J'ai passé l'époque de la cour de récré, où l'on se cachait pour s'embrasser. Elle est passée l'époque où l'on collectionnait les images de tous nos harlequins préférés. Elle est passée l'époque des boums des soirées, avec les potes on s'est bien marré. Vous appelez et vous êtes élève de quelle classe? Moi je m'appelle Dan Chiswakamba Yabo, je suis élève de la 6e électricité. Alors Dan, en tant qu'élève, en plus de la 6e année, bientôt tu vas disserter. Dis-nous qu'est-ce que tu penses du tribalisme? Bon, en fait le tribalisme c'est une attitude que des gens prennent face à une tribu donnée. Donc à la base, ce sont des gens qui n'aiment pas les autres. Donc ils se préfèrent, vu qu'ils sont de la même tribu, vu qu'ils ont les mêmes cultures. C'est un peu ça le tribalisme. Alors tu as carrément défini le tribalisme. Alors dis-nous, tu as déjà observé des faits de société par rapport au tribalisme. C'est quoi les conséquences du tribalisme? Bon, comme conséquence du tribalisme, comme aujourd'hui, nous voyons déjà la plupart de certaines personnes sont défavorisées dans la société. Et il y a des conflits. C'est un peu ça en fait, ce que je peux dire. Un petit conseil par rapport à ces personnes qui s'accrochent au tribalisme. Bon, moi je leur dirais que c'est pas bien. Nous devons tous être unis, vu que nous sommes tous Congolais. Nous sommes enfants d'une même personne. C'est un peu ça. Merci Dan. Bonjour. Bon, tu t'appelles et tu es élève de quelle classe? Je m'appelle au nom de Kafou Kamoya Milka, je fais la 6e HP. Milka, j'aimerais bien que tu me dises quelque chose par rapport au tribalisme. C'est quoi d'après toi le tribalisme? D'après moi le tribalisme, je crois que dans le monde, vu que le tribalisme, bon, ça donne d'abord premièrement des conflits. Nous ne sommes pas unis, tout le temps il y a tout le temps des problèmes, vu que des cassins, ils ne veulent pas de nous, des genre de trucs. Moi ça ne m'apprécie pas. Le tribalisme, ça mène la séparation. Ça mène la séparation. Premièrement, ça mène la séparation. Entre nous, il n'y a pas l'amour. Je crois que je peux dire ça. Merci beaucoup. Merci. Bon, tu t'appelles et tu es de quelle classe? Je m'appelle Kajak Moïse Aurel. Je fais la 6e HP. Alors, Lorraine, j'aimerais avoir ton opinion par rapport au tribalisme. Ça se vit ici en RDC, dans nos familles, au travail, partout où nous passons. Toi, en tant qu'élève, qu'est-ce que tu penses par rapport au tribalisme? Moi, je pense que le tribalisme est là pour diviser les gens. Parce que beaucoup de gens, à propos du tribalisme, ils se chamaillent, ils se disputent parce qu'ils ne sont pas de la même tribu. Mais en tant que Congolais, nous tous nous devons être unis parce que nous sommes de quoi? Les enfants d'un même pays. Mis à part la séparation, c'est parmi les conséquences du tribalisme. Qu'est-ce que tu peux nous citer à part la séparation? Parmi les conséquences du tribalisme, tu as cité la séparation. Et il y a autre chose à ajouter? Selon moi, autre chose à ajouter à propos du tribalisme. Bon, le tribalisme donne aussi des conflits. Oui, il y a des conflits. Il y a encore... Donc, les gens se disputent pas mal. Je crois que c'est tout ce que je sais. Et un petit conseil par rapport à toutes les personnes qui sont très, très tribalistes. Oui, à toutes les personnes qui sont tribalistes, il ne faut pas avoir de rancune parce que l'autre n'est pas de la même nature que toi. Nous tous, nous sommes des Congolais et je préfère pas les tribalismes, je préfère que nous soyons tous unis. Merci beaucoup. Bonjour. Comment tu t'appelles et tu es de quelle classe? Je m'appelle Andricia Aydin Jenny, je suis l'élève de 6e commercial. Alors Jenny, j'aimerais bien que tu me donnes ton opinion en tant qu'élève par rapport au tribalisme. Ce que je peux parler autrement, c'est parce qu'on s'aime pas, parce que certains gens, parce qu'on peut dire que de certaines tribus, peut-être moi je suis Moulouba, l'autre est Kassé, on s'aime pas parce qu'il y a des concurrences, on peut dire des concurrences de quoi? De culture, les concurrences des temps, les concurrences du genre, les concurrences des parcelles. Et moi j'habite dans une maison d'étage, nous sommes tous, c'est ça que je peux parler. Et puis ce que je peux dire, ce n'est pas bien. En fait, nous tous, nous sommes des Congolaises. Il faut qu'on puisse commencer à s'aimer entre nous, pas avoir de rancune du genre que non, toi tu es l'enfant de qui, de si c'est là, c'est pas bien vraiment.
Et puis je peux dire qu'on change la façon qu'on puisse vivre, on change qu'on sache qu'ensemble des Congolais, on peut s'aimer. Ça ne veut pas dire que moi, si moi je suis claire, l'autre est noir, que non, on ne peut pas se parler, donc il y aura des critiques, des incites, ça ne se fait pas. On peut s'aimer entre nous, on s'est dit, donc s'il n'y a pas de genre de choses, le Congo va s'évoluer, mais quand il y a des choses que ça n'ira pas entre des conflits là, ça ne peut pas marcher entre nous. Oui, merci. Elle est passée l'époque de la cour de récré, où l'on se cachait pour s'embrasser. Elle est passée l'époque où l'on collectionnait les images de tous nos harlequins préférés. Elle est passée l'époque des bons des soirées, avec les potes on s'est bien marré. Elle est passée l'époque de la cour de récré, où l'on se cachait pour s'embrasser. Elle est passée l'époque où l'on collectionnait les images de tous nos harlequins préférés. Elle est passée l'époque des bons des soirées, avec les potes on s'est... Bonjour mon ami. Bonjour. Comment tu t'appelles et tu es élève de quelle classe? Je m'appelle Mbuyamba Ntambwe Ludovic et suis élève de la 6e BC. Alors Ludo, dis-moi, tu es élève, mais souvent on entend parler des relations entre élèves dans le copinage. Toi, en tant qu'élève, qu'est-ce que tu penses par rapport à ces sujets? Ah ouais, oui. Pour moi, c'est... Bah, oui, pour moi, je peux dire quoi? Vu que nous sommes tous, il y a des filles comme des garçons, c'est normal qu'il puisse y avoir des sentiments qui naissent vis-à-vis des autres. Parce que, bon, je peux dire comment... c'est normal, c'est naturel. Vu que l'autre c'est un garçon, l'autre c'est une fille. Et alors, il y a cette attirance-là, donc fille-garçon. Donc pour moi, je peux pas. Bon, je peux dire comment. Parce qu'on nous dit que non, quand il y a copain-copine, tu vas échouer bien, te concentrer. Mais pour moi, non, ça dépend. Normalement, si la personne elle sait que non, moi et telle, on est, je peux dire comment, en couple. Donc, il faut savoir comment on va gérer. On sait comment on va se débrouiller pour que qu'on continue à étudier. Parce que normalement, ce qu'on est venu faire à l'école, c'est étudier. On n'est pas venu à l'école pour faire quoi, comment dire, entrer en couple, faire des relations copain-copine. Bien qu'on n'est pas venu à l'école pour ça, tu trouves que c'est une bonne pratique ou une mauvaise pratique? Bon, pour moi, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise pratique ou bien encore une bonne pratique. Parce que si je disais mauvaise, les autres vont dire « et lui alors ?» Ou soit je disais encore... On parle de toi. Tu as une copine ici à l'école? Non. Tu es sûr? Oui. Alors, pourquoi tu es partagé entre ce qui est bon et ce qui est mauvais par rapport au copinage? C'est ça que j'ai dit. Si elle disait que c'est bon, il y a l'autre qui vont dire, ah, on avait dit que c'est ça, c'est bon, donc... Bon avis à moi. Je veux dire comment? Je peux pas vous dire que j'en ai besoin, mais je peux dire, c'est pour dire que ce qu'on appelle, c'est quoi ça? Chimiotatisme. La chimiotatisme, c'est qu'ils ont baissé, ils vont comprendre. Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends rien. C'est l'attirance. Quand un garçon va vers une fille, et pas le contraire. Quand une fille vers un garçon, ça n'existe pas. Bon, ça n'a même pas existé. Donc, pour moi, je veux dire quoi? Vu que je suis venu à l'école, telle fille ou tel garçon, telle fille me plaît. Bon, j'essaie de faire des avances parce que, d'après ce qu'on nous a appris jusqu'à, depuis qu'on a commencé l'école jusqu'au 6e des humanités, on nous a appris à dire à une fille que je t'aime, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Donc, je pourrais dire à la fille que oui, je t'aime, ok, oui. La fille aussi dit que non, moi aussi c'est comme ça, ou sinon. Alors, tu es pour le copinage dans les milieux scolaires. Je t'entends bien. Je pourrais dire comment. Alors, oui ou non? Non. Ce n'est pas une bonne pratique. Non, pas une bonne pratique. Merci beaucoup, Lille. Merci. Bonjour. Comment tu t'appelles et tu es élève de quelle classe? J'ai mes noms Ilunga Mubamba Excellente. Surnom Chouka. Je suis l'élève de la 6e HP. Alors Chouka, je veux avoir ton avis en tant qu'élève par rapport aux relations amoureuses entre élèves. Bon, pour moi, les relations amoureuses entre élèves n'est pas bon. Parce que j'ai pu appuyer une amie, puis elle m'a dit oui. Ça nous rend distraites à l'école. Tu peux toutefois être en classe, mais ton esprit ailleurs. Tu peux être en classe, mais tu penses à ton mec. Oui, ça nous rend distraits. Mais à mieux vaut être en couple avec quelqu'un de l'église ou qui n'est pas de ta classe ou de ton école. Cela pourrait te détendre. Si tu as des stress,
tu peux te rappeler l'une de ses paroles et tu te détends. Mais quand t'es à l'école, c'est pas bon pour moi. Apparemment, tu parles de ton histoire là. Non, je parle pas de mon histoire. Bon, pour clarifier ce que je disais, je pourrais dire que les relations amoureuses à l'école n'est pas bien. Quand tu parles de la distraction, ça t'est déjà arrivé de tomber amoureuse d'un garçon de ton école et ça t'a distrait à la fin? Ah non, jamais. Être amoureuse de quelqu'un de l'école, jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Un petit conseil, les amis. Bon, pour moi, je dirais comme conseil à tous ceux qui ont des copains, élèves, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Si tu es en uniforme, lui aussi en uniforme. Vous êtes pris en charge de la manière dont on paye pour lui la lotion, le glycérine. C'est de la même manière qu'on paye aussi pour toi à la maison. Donc, il n'a pas d'importance. Il est élève, toi aussi tu es élève. De la manière dont tu demandes à la maison, c'est de la manière que lui aussi demande à la maison. Donc, ce n'est pas nécessaire de t'engager avec quelqu'un de ton école ou genre vous tous en uniforme. C'est ridicule. Tu n'as jamais entendu parler des couples qui ont commencé à l'école et ils se sont mariés un jour? Bon, c'est rare. C'était avant, mais pas maintenant. Maintenant, il y a beaucoup d'aventuriers. Merci beaucoup. Merci. Moi, je m'appelle Kabongo Banza Krino. Je suis l'élève de la 6e électricité. Alors, Krino, nous parlons copinage dans le milieu scolaire. Toi, en tant qu'élève, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette pratique? Premièrement, il faut savoir entre nous les élèves, quel est notre but. Un élève, son but, c'est d'étudier, mais pas d'être en couple. Bien sûr, nous pouvons avoir des sentiments, nous pouvons ressentir quelque chose pour les autres, mais il faut maîtriser cela et rester toujours sur notre chemin que les études. Parlons de la maîtrise. Il t'est déjà arrivé de te maîtriser par rapport à cette situation? Bon, la maîtrise, bien sûr, on a des sentiments, on a tout, mais il faut toujours se maîtriser, on se maîtrise parfois. Et en se maîtrisant, tu te dis que je ne peux pas être en couple vu que je suis encore élève? Oui, oui. Par là, parce que je suis... Lorsqu'on est élève, on dépend encore de nos parents. Mais vu que nous sommes toujours élèves, nous devons nous maîtriser. Lorsque nous serons indépendants, là, nous allons nous engager. Un petit conseil à tes amis élèves. Un petit conseil à mes amis élèves, seulement de rester sur les chemins qui est les études. Après cela, il y a toujours ces bonheurs-là. Merci Krino. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles et tu es de quelle classe? Moi, je réponds au nom de Dumba Kabata, je suis Plamedi. J'ai fait la 6e électricité. Alors, Kabatanti, j'aime bien t'appeler comme ça, excuse-moi. On parle aujourd'hui copinage dans le milieu scolaire. Toi, en tant qu'élève, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce phénomène? Ben, déjà, aimer, c'est tout à fait naturel. Mais quand on s'est mis à pratiquer ça à l'école, je pense qu'on s'est distrait seulement. Puisqu'à l'école, on est venu juste pour étudier, pour assurer notre avenir. Si on s'est mis à pratiquer ça, on sera distrait. Et puis, je peux dire qu'à notre âge, on n'aime pas. C'est juste des caprices. Oui. À votre âge, vous n'aimez pas, c'est juste des caprices. Donc, tu n'es jamais tombée amoureuse? Si, si, mais je me donne une discipline. Donc, tu aimes quand même, à ton âge, tu aimes, tu ne fais pas des caprices. Ouais. Alors, ici à l'école, tu es déjà tombée amoureuse de quelqu'un? Non. Pourquoi pas? Je ne sais pas. C'est comme ça, l'amour. Ça vient quand ça veut. Et te concernant, ce n'est pas une bonne pratique d'être en couple à l'école? Oui, oui, ce n'est pas une bonne pratique. Alors, pour ceux-là qui pratiquent ça, tu leur diras quoi? Je leur dirais, et ils sont pour non, ils sont pour faire ça. Je leur dirais alors d'être prudent, ne pas faire de bêtises. Merci beaucoup Kabatanti. Je vous en prie. Elle est passée l'époque de la cour de récré, où l'on se cachait pour s'embrasser. Elle est passée l'époque où l'on collectionnait les images de tous nos harlequins préférés. Elle est passée l'époque des bons des soirées avec les potes. Elle est passée l'époque de la cour de récré où l'on se cachait pour s'embrasser. Elle est passée l'époque où l'on collectionnait les images de tous nos harlequins préférés. Elle est passée l'époque des bons des soirées avec les potes, on s'est bien marré et on avait du vice.
nos parents nous cramaient. Depuis on s'est amélioré. Où est passée ma bande tarée? Je l'ai perdue avec mes cahiers. Où est passée cette... Je m'appelle Mbouyou Moukina Sarah, je suis élève de la 6e BC. Alors Sarah, en tant que jeune fille et jeune écolière, j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à la pratique des relations sexuelles avant le mariage. Ben, selon moi, le rapport sexuel avant le mariage n'est pas bien. Cela n'est pas bien pourquoi? Parce que même dans nos coutumes congolaises, bien sûr, il est interdit qu'une fille soit mariée déjà déflorée. C'est pas bien. Pour garder notre dignité, nous devons nous protéger, nous devons nous garder jusqu'au mariage. Et il y a certains parents, oui, comme le mien d'ailleurs, ils nous conseillent en disant, mes enfants, ne faites pas cela, car ce n'est pas bien. Pour garder ta dignité, tu dois rester vierge jusqu'à ton mariage. Donc cela n'est pas bien. Aussi, ça porte des maladies. Nous voyons des maladies qui sont maintenant courantes, par exemple la syphilis, le sida. Pour éviter tout cela, nous devons nous protéger, nous garder jusqu'au mariage. Donc le rapport sexuel avant le mariage n'est pas bien. Mais il y a des ces filles qui ont été violées, sans pour autant le vouloir. À elles, tu diras quoi? Bon, à elles, je dirais juste de prendre courage. Malgré que nous étions violées avant le mariage et nous avons perdu la virginité, cela ne veut pas dire que c'est déjà la fin. Tu ne trouveras pas un mari qui t'aimera pour, à propos de cela. Mais Dieu nous aide toujours, car ce n'était pas de sa volonté, mais elle a été violée. Merci beaucoup. Vous appelez et vous êtes élève de quelle classe? C'est Nzakis Israël, je suis élève de la 6e CG. Israël. Aujourd'hui, nous parlons relations sexuelles avant le mariage avec les élèves. Toi, en tant qu'élève, c'est quoi ton opinion par rapport à cette pratique? Mon opinion par rapport à ces pratiques, je dirais que le rapport sexuel avant le mariage n'est pas vraiment bien. Et je pense que c'est à cause du rapport sexuel avant le mariage, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'avortements. Et je dirais que strictement, c'est interdit aussi dans la parole de Dieu. Parce que notre corps en soi, c'est le temple du Saint-Esprit. Et on ne peut pas exposer notre corps à des rapports, à entretenir des rapports sexuels avant les mariages, ce n'est pas vraiment bien. Oui, oui. Pour... À t'entendre parler, dis-nous, ça te tente souvent ou ça t'est déjà arrivé? Bon, je dirais que pour ne pas mentir, je suis chaste. Ouais, je suis chaste. Et je n'ai pas connu des rapports sexuels dans ma vie, je n'ai jamais fait ça. Et je suis aussi un enfant de Dieu. Donc je crains Dieu, c'est pour cela que je ne touche pas aux femmes, aux filles, vraiment, je ne touche pas. Ça te tente? Oui, ça me tente souvent parce que je suis humain, c'est normal, je ressens des désirs souvent, mais j'essaie toujours de me maîtriser. Ouais, ouais. Alors en tant que jeune chrétien? Un conseil pour tous les jeunes, je dirais que le jeune soit seulement fort, que le jeune se préserve à ne pas se livrer dans déjà des rapports bizarres, et parce que ça cause beaucoup de problèmes, c'est la cause même de beaucoup de problèmes. Ils doivent éviter ça parce que c'est pas bien vraiment. Merci Israël. Merci beaucoup. Je m'appelle Vela Gapamis Apriska, je fais la 6e électricité. Wow. Ça va, hein? Électricité pour une jeune dame. Mais aujourd'hui on ne parle pas électricité. On va parler des relations sexuelles avant le mariage. Toi, en tant que jeune fille élève, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce phénomène? Ben, par rapport à ce phénomène, le rapport sexuel avant le mariage, c'est pas permis pour nous et c'est pas commode. Vu que nous étudions, nous devons garder notre dignité. Et la valeur d'une femme, c'est lorsqu'elle est vierge, elle se marie vierge, c'est ça sa valeur. Et sa dignité et la fierté de sa famille. Alors, il faudra se protéger et se garder jusqu'au point où vous serez mariés, vous serez dans votre maison et vous pourriez satisfaire vos besoins à ce moment-ci. Vous devez vous maintenir et vous maîtriser. Ce n'est pas permis. Oui. Alors, un petit conseil en tant que chrétienne aussi à tous les jeunes qui vont te suivre. Ben, comme conseil, toutes les jeunes filles et les jeunes femmes, donc il y a des aînés déjà qui sont âgés, qui ne sont pas mariés. Alors, ben, comme conseil, je pourrais donner, ils doivent se maîtriser, s'abstenir, avoir une maîtrise de soi. Malgré, la Bible dit, le désir nous vient souvent, et ben, il faut apprendre à se maîtriser, être capable de maîtriser notre corps.
c'est à nous qui, c'est nous-mêmes qui dirigeons notre corps. Si nous voulons notre bénédiction ou bien notre évolution dans toute chose, nous devons nous abstenir à quelque chose. Nous avons tous un but dans la vie que nous devons atteindre. Alors si selon, comme conseil, nous devons nous maîtriser et garder cette dignité et l'honneur de la famille. Bonjour. Comment tu t'appelles et tu es de quelle classe? Je m'appelle Kata Limba La Gloria, je fais la 6e BC. J'aimerais bien que tu me dises quelque chose par rapport aux relations sexuelles avant le mariage. Toi, en tant qu'élève, qu'est-ce que tu dis par rapport à ces sujets? Les relations sexuelles avant le mariage, c'est pas bien, c'est déconseillé en tant qu'élève. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences dans l'avenir. Toutefois, tu peux toutefois pratiquer cette relation et au fur et à mesure, on te prend peut-être en mariage. Non, supprimez là. Au fur et à mesure, tu es chez toi. Et peut-être lorsque tu étais encore élève, tu avais avorté. Ben, en ce temps-là, tu n'as. Le déchet n'a pas tout. Ah. Recommence un peu. Ah. Ouais, les relations amoureuses avant le mariage. Avant. Sexuelles. Les relations sexuelles avant le mariage. Une bonne ou une mauvaise pratique pour vous qui êtes encore élève? C'est une mauvaise pratique. Pourquoi? Tu fais 2-3 ans sans pourtant concevoir et tu t'es dit que c'est la sorcellerie de la famille. Or que c'est toi qui es la cause. C'est un peu ça. Un petit conseil à toutes les jeunes filles et à tous les jeunes garçons. C'est des conseils en tant qu'élève, c'est pas bien parce qu'on a l'éducation. On doit toujours conseiller en notre vie de bien protéger notre corps. Parce que le corps d'une fille, précisément le corps d'une fille, ça appartient qu'à une seule personne, ce n'est pas à tous les garçons. Oui, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Elle est passée l'époque de la cour de récré, où l'on se cachait pour s'embrasser. Elle est passée l'époque où l'on collectionnait les images de tous nos harlequins préférés. Elle est passée l'époque des bons des soirées. Avec les potes, on s'est bien marré. Et on avait du vice, nos parents nous cramaient. Depuis, on s'est amélioré. Où est passée ma bande tarée? Je l'ai perdue avec mes cahiers. Où est passée cette. Elle est passée l'époque de la cour de récré. On se cachait pour s'embrasser. Elle est passée l'époque où l'on collectionnait les images de tous nos harlequins préférés. Elle est passée l'époque des bons des soirées. Avec les potes on s'est bien marré. Et on avait du vice, nos parents nous cramaient. Depuis on s'est amélioré. Où est passée ma bande tarée? Je l'ai perdu avec mes cahiers. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment vous appelez? Vous êtes de quelle classe? Je m'appelle Tivoadi Kanyenda Otingel, je fais la 6e électricité. Alors, monsieur Tivoadi, je t'appelle comme ça. Luchoa. Depuis tout petit? Oui, depuis tout petit, je suis toujours ici. D'accord. Alors, vu que tu es Luchoa depuis ta naissance, qu'est-ce que tu penses de la ville de Lubumbashi, la ville qui t'a accueilli? Bon, premièrement, d'abord, c'est une grande ville et une belle aussi. Les habitants sont quand même bien, ils sont, donc, ils sont, comment je peux dire, ils ont l'amour, ils sont social avec des gens. Mais ce que je déplore un peu, c'est les insalubrités et l'insécurité. Enfin, à part ça, tout est bon. Parlons d'insalubrité, d'insécurité. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à nos autorités? Bon, je peux dire qu'ils fournissent beaucoup plus d'efforts
pour que nous soyons bien en sécurité. Parce qu'il y avait des temps où on passait des nuits blanches par peur. Et aussi pour l'insalubrité, vraiment, que les autorités soient vraiment compétentes, qu'ils puissent se débarrasser de ces insalubrités. Je suis sûr que ce sont les autorités qui mettent la saleté sur nos avenues. Non, non, ce sont les habitants aussi. Qu'est-ce que tu dis à ces habitants? Bon, je veux dire qu'ils sont en train de détruire pas seulement la planète, mais aussi notre ville. Car on risque, si ça continue, on risque de se retrouver dans une décharge des insalubrités. Donc, c'est pas seulement bien, c'est pas bien de jeter des ordures comme ça. Je vais les demander de créer, de faire des poubelles, jeter dans la parcelle au lieu de jeter en cours de route, tout ça. Merci beaucoup, Tim White. Ok, merci. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Comment tu t'appelles et tu es de quelle classe? Je réponds au nom de Kikuzi Luika Benita et je fais la 6e CG. Alors, Benita, tu es louchoise ou tu viens d'une autre ville? Je suis louchoise. Depuis toute petite? Oui. Alors, tu vas me dire en tant qu'élève, qu'est-ce que tu penses de la ville de Lubumbashi? Selon moi, je trouve qu'elle est sous-développée. Elle est pas assez nantie par rapport aux infrastructures, les bâtiments, par rapport à la ville de Kinshasa, par exemple. Si vous partez dans la commune de la Gombe, vous pouvez voir des jolis bâtiments, des jolies infrastructures. Mais ici, c'est pas le cas, pas vraiment. On a un petit problème par rapport à ça. Sous-développé, et qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Bien que c'est une ville, selon toi, qui est sous-développée, qu'est-ce que tu aimes dans la ville de Lubumbashi? Ici, j'aime plutôt l'ambiance qu'il y a ici. Et les gens, ils sont assez raisonnables. Oui, je vous assure. Par rapport aux autres villes, par rapport à Kinshasa, par exemple. Tu me donnes l'impression d'avoir visité beaucoup de villes. À part Kinshasa, tu as été où? À part là, jamais été autre part. Tu as parlé des infrastructures. Un très bon point. Qu'est-ce que tu vas dire à nos autorités, vu que tu dis que c'est une ville sous-développée? Si il faut que ça soit développé, quel conseil tu donnes à nos autorités, particulièrement au gouverneur de province? Qu'ils puissent remettre les pendules à l'heure, qu'ils puissent remettre tout ça en ordre, afin qu'on puisse bien se déplacer. Il y a de ces endroits où on ne peut même pas passer avec un véhicule, alors que les gens doivent se déplacer, en fait. Quel endroit, par exemple? Par exemple, à Kamasaka, je crois, j'avais vu à la télé une fois. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles et tu es de quelle classe? Je m'appelle Simone Kabunda et je fais la 5e CG. Alors Simone, tu es louchoise, tout comme moi. Alors qu'est-ce que tu penses de la ville de Lubumbashi? Moi, la ville de Lubumbashi, elle est bien comme elle est. C'est juste les habitants qui la détruisent. Oui. Mais aussi les ministres doivent aussi songer à ranger aussi des avenues, à bâtir aussi des beaux bâtiments. Par exemple, comme mon ami a dit, des marchés, pour éviter aussi les marchés pirates, vous voyez. Ça fait aussi du désordre. Pour éviter les marchés pirates, tu proposes quoi? Quand on construit des marchés, c'est ça, ouais. Alors, tu as parlé côté négatif par rapport à la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette ville? Moi, j'aime ce que j'aime dans la ville de Lubumbashi. Les habitants de la ville de Lubumbashi. Ils sont courtois, ils sont agrimonieux. Ouais, ils sont gentils avec les autres. Ouais, c'est un peu ça. Merci. Elle est passée l'époque de la cour de récré, où l'on se cachait pour s'embrasser. Elle est passée l'époque où l'on collectionnait les images de tous nos harlequins préférés. Elle est passée l'époque des bons des soirées, avec les potes on s'est bien marré. Et on avait du vice, nos parents nous cramaient. Depuis on s'est amélioré. Où
pourrais passer ma bande de tarés. Je l'ai perdue avec mes cahiers. Où est passé ces...